possibilité. Bien trop. Un peu de calme. Zéro. Excusez-moi, combien de temps, mais combien de temps ont les enfants pour avoir droit à une électricité propre et combien de temps que les enfants ont le droit à de l'eau sur la planète? 20 millions de mètres cubes d'eau partis complètement dans la nature, eh ben je trouve que c'est inadmissible pour les enfants futurs et pour nos générations. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-bas dans le fond? Il y en aura pour tout le monde, rassurez-vous. S'il vous plaît. Là, j'en profite. Monsieur Goupil, la mère n'a jamais fait de projet. Non, chacun son tour, monsieur. Chacun son tour. Il n'a jamais fait de projet qui est là, monsieur. Il n'a jamais eu de projet qui est là. D'aménagement. Rien. Il y a combien d'années que je suis là? Il y a combien de temps que le lac est là? Non, depuis, pour présenter le ministère, il n'y a jamais été. 100 ans. Il n'y a jamais eu un projet avec un nagement avec les lacs. Rien. Les seuls, pour les seuls présenter, pour être fiable, pour vraiment les conserver. Les seuls, qu'on fait des projets, les seuls qui ont fait des projets autour du lac, c'est Isigny-le-Bua. Je le répète, et c'est Bernard Pinel. C'est le seul qui a soutenu. C'est le seul. Tout le monde est parti. Personne n'a jamais voulu faire quoi que ce soit autour du lac. Personne. Il n'y a que les pêcheurs qui ont eu le droit d'aller sur le lac. Il n'y a que les pêcheurs. Il n'y avait pas de possibilité de naviguer sur le lac en dehors de la pêche. Pourquoi ailleurs ça se fait? Ah ben bah expliquez-moi, pourquoi? Il y avait une concession. Il y avait une concession de pêche qui nous a empêchés de faire tout ce qu'on voulait. Prends un micro, Eric, parce que tu vas t'égosiller. S'il vous plaît, monsieur Goupil. S'il vous plaît, monsieur Goupil. Monsieur Pinel veut juste dire un petit mot et après on va passer le micro au monsieur là-bas. Je l'ai déjà. Je voudrais dire à Eric que je